ce qui nous motive à mettre en place cette initiative, c'est que nous avons constaté, au sortir des élections présidentielles, une déclaration catastrophique d'une personne et une voix autorisée auprès du président de la République, en l'occurrence M. Moustapha Cissélo, parlant que c'est grâce à la détention de Khalifa Ababakar Sall que le président a pu faire son faux signe pour passer au premier tour. En constatant après ce qui s'est passé auparavant sur les parrainages, cette machination et les recours qu'avaient portés les avocats de Khalifa Ababakar Sall, pour la première fois de l'histoire, on n'a pas respecté les décisions de la Cour de cassation du point de vue technique, du fond et du forme. Et faisant cette constatation, nous sommes dit maintenant, le combat de Khalifa Ababakar Sall n'est plus une question de parti politique ou une question de coloration ou une question de khalifiste. Et que actuellement, et que le président est en train de faire un fast track par rapport à son programme de zéro décès. Et nous avons vu cette fast track est plutôt événementielle et plutôt d'animation. Et que ce zéro décès n'est rien d'objectif que pour faire oublier Khalifa Ababakar Sall et récupérer la ville de Dakar et faire la promotion de certaines personnes ministres ciblées ou senties pour reprendre la ville de Dakar. Nous lui posons cette question, et c'est en ce moment que nous posons cette question en mettant une opération, en nous disant comment on peut avoir des otages politiques, comment on peut être témoin des impunités, comment on peut voir des calculs politiques et organiser un programme de zéro décès. Et pour cela, nous nous sommes réveillés en tant que force vive et aller à la rencontre des khalifistes et vient aussi dans son fief de Grand Yoff et pour leur dire que ce n'est plus le moment de voir la maman de Khalifa Ababakar Sall, 90 ans, continuer de pleurer pour que justice soit faite pour son fils, continuer de pleurer pour revoir son bail. Et en même temps, on voit Mambaye Niang pavaner avec nos 32 milliards, c'est parce qu'elle est proche de Marème Faye. On voit Mansour Faye rempli, on voit Adama Faye en terrain libre, on voit aussi certaines personnes et certaines membres aussi qui étaient parmi Khalifis commençaient à oublier ou bien à changer de camp pour se rapprocher du président. Donc cette pétition nationale, on veut faire porter ce combat aux citoyens pour faire comprendre aux Sénégalais qui est vraiment Khalifa Ababakar Sall. Parce que quand il était le maire de Dakar en 2009, c'est par la satisfaction et par ses réalisations, par ce qu'il faisait, donc sans pour autant tenir compte des calculs et des colorations politiques, c'est pour cela qu'il est victime. Que nous allons dire aux citoyens maintenant de se réveiller et de porter ce combat et de signer cette pétition qui est leur droit pour dire au président de la République, vraiment, nous avons vu avant-hier qu'il a gracié des vendeurs illicites de médicaments, des trafiquants de médicaments qui ont fait détourner des milliards. Ces personnes ont bénéficié de sa grâce et pendant ce temps, nous avons vu Khalifa Ababakar Sall qui, depuis 1983, député du Sénégal, maire en 1993, Khalifa, mais doublement reconduit à la ville de Dakar, Khalifa Ababakar Sall sur le plan international, Africity. Nous visons tous les citoyens, y compris le président de la République, qui a eu à bénéficier parfois de certaines largesses de l'ancien maire et même de sa famille politique, qui auparavant, quand il chômait, c'est Khalifa qui les a recrutés. Nous ciblons tout le monde, même les maires qui ont quitté la barque en utilisant la coloration de Khalifa. Nous ciblons tout le monde. Non, parce que c'est pas une manière. La question devrait être posée au président de la République. Parce que lui, il n'utilise jamais les armes conventionnelles. Les khalifis, on les a remerciés. Vous avez vu Barthélemy Diaz, au moment de l'arrestation de Khalifa Sall, comment il a été arrêté combien de temps? Vous avez vu Soham El Wardini, il a été arrêté avant qu'il devienne maire. Vous avez vu Soham Wardini quand il a entamé la ville de Dakar. Vous avez vu les autres. Vous avez vu ce qui s'est passé aux maisons du Parti Socialiste. Pour la première fois de l'histoire, la police encadre cette maison de parti. Vous avez vu des personnes persécutées. Vous avez vu ici où on en parle des khalifistes qui étaient en prison, qui venaient juste d'être libérés récemment. Donc ce président, il conjugue tous les trois pouvoirs pour combattre quelqu'un. Ces personnes, et actuellement, les gens n'ont plus les moyens pour aller faire face à ce régime. Non, pour l'instant, nous ne pouvons pas entrer dedans. Parce qu'actuellement, c'est une initiative citoyenne. Vous n'avez vu personne dans le présidium, des personnes et des responsables de khalifistes authentiques. Parce que nous, c'est des membres sentinelles de la démocratie et puis de justice qui combattent les principes. Donc, ce qui se passe, c'est les khalifistes. Nous n'essaierons pas d'en parler. Mais ce qu'on leur sensibilise,
fait ce constat, nous leur disons de se ressaisir, de revoir les choses, parce que nous avons constaté que par la baraque de Khalifa Ababacar Sall, par son nom, par ses réalisations et son actif, certaines se sont bénéficiées pour en devenir des maires et garder de certaines responsables étatiques. Après la pétition, nous irons rencontre, à la rencontre du président de la République pour lui remettre ce que les citoyens ont demandé sur Khalifa Ababacar Sall. S'il refuse, pendant ce temps-là, on intente aussi de faire d'autres actions internationales. Nous tendons vers le dialogue national et certains disent qu'il se peut que le président Amnesty, maître Khalifa Ababacar Sall, Non, par rapport à ce dialogue, nous n'avons rien à dire. À part de dire que le président, si son dialogue est sincère, c'est pas en ce moment qu'il devrait appeler ce dialogue. Parce qu'on ne peut pas avoir un otage politique et expulser aussi un citoyen, un ancien ministre du Sénégalais, Moussé Karim Wade, pour lui dire que si tu rentres dans ce pays, tu vas nous payer notre argent. Alors que il y a Abdoulaye Baldé qui a été incriminé par la CRI. Dès l'instant qu'il a fait sa transhumance, on ne lui parle plus. La CRI ne l'appelle plus. Alors que pendant à ses côtés, il y a des alliés comme Samuel Sarr, que IGE avait même indexé. En ce moment, nous pensons que ce dialogue, c'est une farce. C'est seulement une farce pour lui permettre de dérouler, pour lui permettre de faire son casting. Comme nous avons un président de la République qui a un problème de coaching et de catching, c'est le moment de nous donner quelque chose à grignoter pour faire quelque chose. C'est dans ce sens-là, nous lançons appel à tous les leaders de l'opposition de ne pas répondre. Pour moi, c'est pas noble de laisser Khalifa Sall en prison et aller répondre à l'appel de ce dialogue. Tous les leaders devaient rester là où ils sont et demander à Macky Sall de libérer Khalifa Sall. Tant qu'il ne le libère pas, on ne peut pas s'asseoir avec lui sur une même table. Ce n'est pas ce même Aliou Mbou Ndiaye, ce n'est pas ces mêmes personnes qui étaient à l'aboutissement de tout ce qui s'est passé sur le dossier Khalifa et sur le dossier Karim qui leur font appel et qui leur répondent. Ce dialogue-là, nous demandons à tout responsable politique ou leader politique qui tente à répondre Macky Sall, tu es en train de faire croupir Khalifa Ababacar une injustice qu'il ne mérite pas et que Khalifa a été tout le temps à nos côtés, même pendant les élections présidentielles. S'il avait accordé à Macky Sall les soi-disant protocoles et les personnes et les émissaires qui lui ont envoyé, Khalifa allait sortir. Il avait choisi le peuple, donc il devrait choisir Khalifa Sall et rester à son côté jusqu'à ce qu'on l'élargisse.